Je revois encore Dan m'expliquer sa théorie en s'agrippant fermement l'entrejambe. Il me disait comme ça, avec cet accent que je t'épargne, il faut distinguer le cock music et le smart music, tu vois. Rolling Stones, Pixies, AC/DC, Guns N' Roses, etc, etc. C'est une question de génération, mon petit gars. Ok, il a peut-être raison, je sais pas. Y'a quelque chose d'ironique dans tout ça. Comme si une fois le Big Magnet s'était dit, tiens, Pierrot, amène-toi qu'on rigole. Tiens, tu le vois l'autre taré en bas? Et ben moi j'ai décidé que pour les 100 prochaines années, il avancera les yeux bandés. Et Pierre de répliquer, Seigneur, soyez pas pute, laissez-lui au moins des indices par-ci par-là, j'en sais rien. Et il en fut ainsi. Depuis, jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de jack, d'un dément, d'un amant qu'on plaque. Jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de jack, d'un amant qu'on plaque, d'un dément qu'on claque. Je revois encore Mathieu et les étoiles dans ses yeux entre deux cigarettes fumées à la fenêtre de ma chambre. Il me disait comme ça, mon vieux, tu savais que le verbe cristallisait la pensée. Je te jure, un mot sur une idée foireuse, c'est exactement comme un baiser, t'as pas remarqué? C'est une question de perception. Et au fond, je sais qu'il a raison. Y'a quelque chose de mystique dans son affaire. Pouvoir ramasser les mots par terre, les jeter comme des pierres contre les parois, plongées dans le noir pour en faire sortir les choses qui blessent. Grâce à la parole, réussir à s'armer contre les sales pensées et faire des plans, serrer les poings, serrer les dents, les cogner, leur entrer dedans. Essayer d'attraper les syllabes à la volée pour en faire des bougies qui éclairent et qu'on placera sous les paupières ou des jolis bouquets pour une fille qui nous plaît. Finalement, c'est pour ça que j'écris. Jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de jack, d'un dément, d'un amant qu'on plaque. Jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de jack, d'un amant qu'on plaque, d'un dément qu'on claque. Je revois encore Thibaut, éclairé par le halo de la lampe à pétrole. Il me disait comme ça, entre les vapeurs d'alcool, tu sais qu'on peut flotter au-dessus du sol rien qu'avec la parole. Je te jure, on faisait ça quand j'étais enfant, sur le terrain vague derrière, chez mes parents. C'est juste une question de conviction, et je prie pour qu'il ait raison. Y'a quelque chose de magnifique dans son histoire, de savoir que si tout foire, il nous en reste dans les tiroirs. Grâce à eux qui ont reçu le feu sacré qui permet de tout voir. Eux les machines à observer, les machines à mettre des mots sur tout. Eux qui écrivent plus vite que la pensée. Et avec ça, ils agrandissent la vie, ils font apparaître les fils qui relient toutes les choses entre elles. Et ça leur donne le courage de tout affronter, même la colima. En attendant moi quoi? Moi j'ai rien vu, rien lu, rien entendu, et surtout rien compris. Mais c'est pas grave, t'attends, tant pis, jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de jack, d'un dément, d'un amant qu'on plaque. Jour et nuit, je traque les épiphanies avec la rage d'un mercenaire sous crack, d'un alcoolique en manque de jack, d'un amant qu'on plaque, et d'un dément qu'on claque. La parole comme vaccin contre la mort, la parole comme rempart contre l'ennui. Parler encore, parler pour affronter la nuit. La parole comme vaccin contre la mort, la parole comme rempart contre l'ennui. Parler encore, parler pour affronter la nuit. Agité en flux tendu, je claque et je grince des dents de façon compulsive, au point d'avoir arrêté de mesurer de combien de centimètres j'ai usé mes prémolaires du côté droit. Le moindre bruit me fait sursauter, mon téléphone, le voisin qui met du Pink Floyd en pleine journée, un gamin qui appelle sa mère à l'étage du dessus, quelqu'un qui vide ses bouteilles dans la poubelle à verre de la cour de l'immeuble. Difficile de faire des phrases de plus de 30 secondes sans perdre le fil, difficile de tenir une conversation. Mais finalement ça s'explique tout ça, ça s'explique toujours. C'est le mois de novembre, salope parmi les salopes, traître parmi les traîtres, qui nous a mis un coup de chlasse dans le cœur et dans l'esprit, qui nous a infligé une douleur que personne ne devrait avoir à connaître. Mais on est plus fort que ça, le cercle perd un membre, le cercle se resserre, c'est tout. C'est le mois de décembre qui s'y est mis à son tour, collabo parmi les collabos, petite pute, complice et lâche. Mais on croit pas aux malédictions et on continuera à chanter des chants de marin jusqu'à plus avoir de souffle. C'est faux, parce que ça va trop vite, parce qu'on n'est pas encore prêt. On a besoin de temps pour trouver les mots justes, pour maîtriser la colère, la hargne au goût amer qui fait mal à la gorge, pour aiguiller tout ça vers quelque chose de plus noble. Heureusement, il y a aussi toutes ces personnes qui ont compris, qui nous disent qu'elles non plus, elles veulent plus être seules. J'ai envie de sortir sous la pluie et de crier. On est là, venez, tout le monde. Ensemble, on sera tellement mieux à travers la vie. C'est Noki qui me dit, j'ai pris mes billets pour Saigon. On part, ça y est. Et moi, je le remercie une nouvelle fois d'exister tel qu'il est. C'est mon compagnon de toujours qui me propose de signer un nouveau pacte, qui dit qu'il peut me sauver si je veux, en prenant ma place devant Satan le jour venu. C'est cette fille qui me dit que je compte pour elle et peu importe comment.